ça glisse énormément. Alors, convoi exceptionnel avec un géant truc. Et ça fait une dizaine de kilomètres que je roule avec. Et la pluie n'aide pas du tout parce que le camion il glisse énormément. Ouais. Il obéit même pas. Là, je vais accélérer un peu. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Et là, je vais tourner et ça va même pas tourner. Ah, si, mais je me prends le panneau dans la gueule. Ah ouais, mais comment est-ce que je vais tourner là, moi? Ouais bah ouais. Soit je me prends l'autre, hein, soit je me prends l'autre. En tout cas, j'adore. La pluie, ça glisse énormément. Bien, on fait de l'aquaplaning. Et c'est hyper dangereux là, la pluie. Ah ouais, je suis désolé pour les panneaux, mais je peux pas faire autrement. What the fuck? Et en plus, les gars, poussez-vous. Je passe pas. Bah oui. Je prends toute la route. Et à moi ça, je prends toute la route. Faut que j'enlève le différentiel. Ouais, il est enlevé. Ah voilà. Non! Poussez-vous. Il arrête de pleuvoir, du coup ça glissera beaucoup moins. Parce que là, avec la pluie, c'était juste impossible.
Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Ça freine même pas. Le frein moteur, il freine même pas. Oh putain, le car. Oh l'enfoiré. Ah bah ouais. Oh putain, mais c'est à ce moment-là que les convois exceptionnels, ils sont vraiment, mais vraiment très très mal faits. Et puis là, si je me prends le truc du convoi derrière. Vas-y, recule encore. Tu peux reculer encore parce que je vais jamais passer. Voilà, recule, recule, recule. Falloir que tu recules encore. Putain, il va me faire chier ce putain de car de merde. Vas-y, avance si tu peux. Avance! Ouais, je vais le pousser, hein. Voilà, faites-moi pas chier. Qu'est-ce qui c'est pas évident là? Regarde-moi ça, il y a même pas un camion qui peut passer à côté, une voiture encore, ça va. Là, c'est le truc jamais vu sur TS. Jamais eu ça comme convoi. J'ai eu des trucs qui dépassaient juste un tout petit peu de la remorque, mais jamais des trucs comme ça. Ah, lui, au moins, il a mis ses feux détresse. Voilà, ça c'est bien. Merci le copilote, il les fait ralentir. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Toute la route, ce truc. Ça, c'est les trucs, les gros camions là, de route là. Oh là là, freine pas comme ça, freine pas comme ça. Moi, j'ai pas de frein. Je sais même pas combien de tonnes ce truc qui fait en plus. Fait combien de tonnes ce truc? 55 tonnes! Un tombereau! Oh là là, les flics!
camion. Ça passe. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Alors là, un petit convoi exceptionnel. Mais le car, j'espère qu'il passe sans frapper. Ah bon, c'est passé. Oh yes. Allez tout droit.
pleuvait, j'aurais été en bas là dans la rivière. Allez, encore 130 km. Ça va être long. Km. Ah. Ok, super. Heureusement que j'ai un Scania. Il aurait accéléré vite. J'ai 720 chevaux. Ou non, 730 chevaux. Après, chez Volvo, ils ont 20 km de plus. 20 km, 20 chevaux de plus avec les 750 chevaux. Ah merde, maintenant je galère là. Qu'à cause du moteur là. Pourquoi est-ce qu'il a calé? Ah ben ouais. Merde. Là, je fais des zigzags pour avancer un peu plus vite. Mais faut que je fasse attention à ce que je fais. Oula, et là il y a une putain de falaise là, j'espère ne pas tomber dedans. Oula.
Elle descend pas à 0 km quand même. Bah alors? Tu vas pas me dire que t'arrives pas. Oh putain. Pourquoi ça la met la marche arrière? Non, mais pas la marche arrière! Mais... Eh mais... Bon. Quand on a ces soucis-là, on va aller dans jouabilité, il me semble, ou contrôleur, je sais plus c'est quoi. Là, on va aller en automatique réelle. Et puis, on rejoue. Pff, merde. Il est même pas capable de... Non. Attends. Foutage de gueule là. Et j'ai quand même 720 chevaux, allez! 730 chevaux. Allez! S'il te plaît! Putain, et en plus... Oh là là, ça va être une énorme colline. On est en train de créer du bouchon parce qu'ils peuvent pas doubler. Allez, 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 allez. Moi, je crois sur toi. Je crois en toi. Allez, je crois en toi. Allez, je crois en toi, moi. Et là, le camion, il prend feu. Allez, je crois en toi, allez, 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 allez. En plus, la transmission que j'ai, elle est pas adaptée du tout pour lui. Et parce que là, j'ai quand même 55 tonnes à tirer en colline. Très très compliqué hein. Ça s'annonce très 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 compliqué pour notre petit Scania là. Surtout que ce Scania n'a que 16 000 km, ça... J'espère que le moteur ne se défonce pas.
Moi, je suis prêt à appuyer sur le frein en cas de... En cas qu'il se cale ou quoi. Parce que je suis sûr à 100% que ça va arriver, qu'il va caler ou quelque chose. Il va commencer à rouler en arrière. Je vais pouvoir rien faire. Là, il faut juste qu'on arrive à atteindre le haut de la colline là, et après ça va aller tout seul. Là, peu à peu, il va y arriver, il va y arriver. Moi, je crois en lui. Je crois en toi, mon petit Scania. Allez. Parce que là, on les a fait les 16 000 avec. Même 21 000. Attends, les 21 569. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Il faut qu'il arrive à me faire cette belle colline avec 55 tonnes. Allez, moi je crois en toi, mon petit Scania. Allez. On y est presque. On a encore quoi? On a encore une vingtaine de mètres. Allez. Et il veut tourner les roues, mais il a du mal, hein. Là, les roues, elles tournent vraiment tout doucement, quoi. C'est même pas à centimètres, c'est au millimètre. Bah là, elles tournent même plus, elles sont arrêtées. Allez, 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 allez. Allez. Allez, on va se reposer un peu parce que je crois que t'es un peu chaud là. Allez. Ah, je crois qu'on n'arrive plus à monter. Allez! Allez! Allez, mon petit! Tu peux le faire! Je sais que tu peux le faire! Donc vas-y jusqu'au bout. Surtout que là la colline elle est moins raide. Le plus raide a été déjà fait. Allez, allez, allez. C'est ça. Accélère. Tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. Là, la colline elle est de moins en moins raide. On arrive au bout de la colline, là-bas ça va être plus droit. Oui, je sais que je suis fatigué, mais là c'est pas l'heure d'aller au repos là. Allez, tu peux le faire.
Si je lui mets le N, ça va pas le faire quoi. Le pauvre. Déjà qu'il galère. Moi je lui mets le N. Il accélère dans le vide. En plus on est en train de ralentir. Alors qu'on était à 14. Là c'est encore une pente qui est raide. Oh là là. Il va le réussir parce que cette pente elle est beaucoup moins raide que l'autre. Donc on va y arriver. Même que ce soit 1 ou 2 km heure, j'espère que c'est pas tout le temps ça parce que sinon on est dans la galère totale. Là il nous manque 85 km. À cette allure, c'est sûr et certain qu'on va pas y arriver. À 1 km heure. On va pas y arriver. Hein. Ah bah là on est carrément à zéro. On va le laisser reposer un peu. Parce que là. Là, il veut même plus reprendre la route. Je me mets en vue extérieure pour voir si les roues elles tournent, mais. Non, pars pas en arrière, surtout pas en arrière. Si tu pars en arrière, c'est pire pour toi. Faut surtout pas que tu partes en arrière parce que après ça fera des mètres en plus à grimper. Et là, il est maintien juste. Il faut pas qu'il maintienne. Si je lâche la remorque, elle va s'en aller, non? Allez. On va pas y arriver en plus. Là, c'est grave en pente là. Ah. Youpi, avec le différentiel, est-ce qu'il va y aller? Je sais même plus si je l'ai activé le différentiel. Ouais, il est actif. Je le désactive. Là, je pars en arrière. Là, je pars complètement en arrière. Non, il faut surtout pas que tu partes en arrière. Ah, je vais pas y arriver. Je te jure. Là, je pars en arrière. Thank you.
Ah là, mais... Là, mais c'est mort de chez mort, là. Là, c'est mort de chez mort, là. C'est pas possible. Sauf que ma peur, c'est... Si je vais y aller sur le terrain, là, la terre, je vais jamais m'en sortir de là. Faut surtout pas que j'aille dans la terre. Bah super. Et en plus là... Non. Regarde-moi la pente jusqu'à là-haut, putain. Allez, 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 allez. Allez, on y est presque là. Juste... Ça repart en arrière. Ouais, ça repart en arrière. Donc la remorque elle tient encore. J'ai une énorme chance. Je sais même pas comment est-ce que la remorque elle tiendrait là comme ça. Normalement la remorque elle était censée partir en plein dans le bas là. Plus on est en train de créer un bouchon de fou. Oh là là, et moi je croyais en toi, petit Scania là. Scania c'est une machine derrière, mais là apparemment je suis en train de galérer pour monter 55 tonnes en... Oh là là, non. Je suis en train de galérer de un truc de ouf. Allez, 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 allez. Allez, monte-moi cette putain de colline. On va y arriver, peu à peu, on va y arriver, mais quand? Sachant qu'il faut que je monte encore 1, 2, 3 traits minimum. Et ça redescend. Allez, une somnolence. Heureusement que j'ai mis mon frein. Ça descend, oh là là. Comment est-ce que je peux augmenter la puissance de mon camion là? J'ai aucun moyen là?
J'ai enlevé l'hydraulique. J'accélère à fond. Hop! J'évite de sortir de la route. À chaque fois que je détache, je rattache, je monte quoi? 1 mètre, c'est tout. J'espère qu'il n'a pas descendu. Non. Oh, il commence à pleuvoir en plus. J'espère que ça va pas patiner en arrière. Attends, là j'ai monté jusqu'à là. En gros, là là. Heureusement qu'au taf j'ai pas des cargaisons comme ça. Hein. Moi je conduis, je roule juste avec des petits colis. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant que ça monte. Tant que ça monte et que ça descende pas. J'ai monté 1 mètre, c'est tout. C'est que si je viens dans la terre là, ça va glisser à mort. Ah, regarde déjà que les pneus ils sont. Ah ouais, ok, sympa. What? Wow. Ça glisse à mort. Hein. Ouais, la pluie, elle aide pas du tout là. Ah oh, putain, j'espère que le camion il glisse pas. Yes. La pluie, elle aide pas du tout. Putain. Voilà, on était au trait là-bas. Maintenant, on est monté à ce trait là. Ah oh là là. Je vais le faire une petite dernière fois et normalement après, ça devrait le faire. Là, il va falloir que, au niveau de la jouabilité, il faudrait que j'enlève la pluie parce que là, ça va pas le faire du tout. Si j'ai déjà des difficultés sans la pluie, avec la pluie, ça m'arrange pas du tout. Wow, j'ai cru que la remorque elle allait en arrière. Non! La remorque elle est en train de glisser là. Oh merde, elle a reculé. Oh, oh non! Oh non, là le camion il va aller en arrière. Quoique. Non, non, non. Faire le véhicule pilote arrière. Bah oui, je sais que je roule vers le pays que l'arrière, mais là j'y peux rien. Non, ma remorque elle est en train de glisser.
s'il te plaît. On va jamais y arriver. Là, il va trop en arrière, là. Oh putain! La somnolence, la pluie, le glissement de terrain, ça va jamais m'aider, ça. Non, plus armor qui glisse à mort. Elle glisse, c'est pas comme tout petit peu, hein. Je vais essayer de faire vite. Allez! Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Il arrête de pleuvoir. Et moi, je prie pour que ce soit le dernier attache remorque. Pour que ça marche. Faut que ça marche. Allez. La route glisse plus. Ouais, la route elle glisse plus, mais il y a la somnolence, il y a tout. C'est en train de m'énerver ce truc. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire? Vraiment, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, franchement. Allez. Moi, si tout ce que je veux, c'est que ce soit la dernière remorque. La dernière fois que j'attache. Parce que là, ça m'énerve à attacher et détacher la remorque à chaque fois. Ouais. Là, je suis obligé de détacher parce que je suis complètement hors terrain et en plus ma remorque elle glisse. Et en plus j'ai pas un châssis pour fait pour les convois exceptionnels là. Non 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 non. Même le carburant, il va pas y arriver. Je vais jamais y arriver. 83 km, il me reste. Parce que là, la pente, elle est vachement raide en plus. Je vais le faire une dernière fois parce que j'ai pas envie d'annuler cette mission. J'ai envie d'y aller jusqu'au bout. Et je crois en lui, mais apparemment il croit pas. Putain, allez.
Merde, déjà, je mets le marche avant, ce sera beaucoup mieux. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, c'est plus en droit. Donc là, techniquement, tu dois tirer tout ça. Ne glisse surtout pas. Allez, avance, 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 avance. Avance. Oui, avance, allez, allez, allez. Allez. Allez, avance. Jusqu'au bout là-bas. Après, c'est une ligne droite. Allez, vas-y, je crois en toi. Allez, allez, allez. On y est presque. J'ai quand même peut-être bien perdu 20 minutes rien que dans cette rampe. Allez, là je crois en toi. Là tu vas y arriver. Allez. Tu vas y arriver. Si j'aurais su que j'avais une rampe énormément, il fallait accélérer, mais. Je sais pas, en bas là, je sais pas c'était quoi l'objet. J'ai tapé dans quelque chose. Et du coup, il apparaît ici. Voilà, avec la somnolence en plus jusqu'au 81 km avec la somnolence, ça va être chiant. La somnolence plus le carburant qui, à mon avis, ne va pas réussir à atteindre le but. Je vais hop 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 hop. Là le carburant 830 km que je peux faire. Techniquement je peux les faire. Allez, voilà, c'est ça. On a réussi à franchir l'étape la plus compliquée du trajet. Enfin j'espère. J'espère. Par contre accélère. Sinon, je te roule dessus. Ah oui, il faut que j'enlève maintenant le V. On a ici maintenant, c'est juste à rouler. Oh 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 oh. Non, s'il te plaît. Non. Non. Putain. Ça m'énerve ça. Ça m'énerve quand il y a fatigue comme ça. Jouabilité. Simulation de la fatigue, on va l'enlever pour le moment parce que sinon ça va m'énerver là le truc. Et on va remettre la boîte en automatique simple pour gérer, c'est déjà mieux. Ça s'ouvre maintenant, je vais même pas réussir à reculer. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Faut que je passe devant toi l'enfoiré. Il faut que je passe devant toi, monsieur. Oh putain, ils sont bêtes. Bon, ben c'est pas grave. Je vais essayer de le doubler sans le frapper. Si je le frappe, je suis dans la merde. Il s'écale un petit peu, il me laisse passer. Faut surtout pas que je touche. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ouf. Parce que si je le touche, la mission elle est annulée et ça va pas le faire.
J'ai déjà franchi toute l'étape à venir jusqu'ici, à monter la grosse colline là-bas. Donc c'est pas pour arriver là-haut et avoir une putain de gros accident à cause des voitures pilotes. Ça m'aurait fait chier quand même. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Mauvais fonctionnement du moteur, mais au moins ça roule. C'est en descente. Ce n'est plus en montée comme tout à l'heure. Du coup, bah, j'ai cassé à cause de l'endormissement. Bah oui, forcément. 55 tonnes. Oh là là. Au moins, j'aurais réussi à tirer 55 tonnes sur une montée. Et dire qu'un Scania pourrait tirer 200 ou 300 tonnes, j'ai du mal à le croire sur du ligne droite, pourquoi pas à 1 km heure, mais pas sur comme ça. Avance! Mais ils sont trop cons, ils me font freiner! Ils sont trop cons les voitures pilotes, ils me font freiner, maintenant là en plus c'est une colline, donc... Ouais, dire que ça peut tirer 200-300, ouais. Que en ligne droite, enfin, sur un terrain plat et à 1 km heure, ouais. Pas à 40 ou 60 km heure, c'est impossible. Déjà avec 55 tonnes, il galère. Là après on est sur un jeu de simulation, mais simulation ou pas simulation, dans la vraie vie, c'est pareil, hein, parce que Euro Truck il se base de la vraie vie, donc... Que ce soit un jeu ou que ce soit dans la vie, impossible de tirer 200 ou 300 tonnes à 50 ou 60 km heure. À 1 km heure, voire max 5 km heure sur du terrain plat, oui, mais en montée, c'est mort d'avance. Avec 50 tonnes, il galère déjà, donc là j'ai 55 tonnes. Le truc, il avançait à que dalle. J'ai perdu au moins 20 minutes à faire ça. Donc c'est hors de question. On est resté 30 km. On a bientôt fini avec le camion qui va arriver à destination cassé. Un camion qui est neuf, Attention, qui a veuillez bientôt respecter la 22 000. limitation de vitesse. Ça c'est les galères du métier, je pense que même dans la vraie vie là, en faisant du convoi là, sur des trucs, je pense qu'ils vont plus être amenés à appeler un deuxième camion, voire un troisième camion pour l'aider. Parce que là, ce que j'ai fait à tirer n'importe Attention, comment là, veuillez respecter la enfin à limitation de tirer tout vitesse. court, bah là le moteur il chauffe et je pense qu'il prend limite feu. Mais oui, mais avance toi en même temps! Je suis obligé de me décaler pour éviter de te frapper, du con! Ouais, des fois, on voit quand c'est des gros trucs. Par exemple, dans ma ville, j'ai vu une fois un camion qui tirait un grand train. Ils étaient à deux camions devant et un derrière qui poussait. Enfin après je sais pas s'il Attention, poussait veuillez vraiment, respecter la mais limitation de je pense vitesse. qu'il était relié. Et il les aidait. Et le camion avec le ralentisseur, il est censé ralentir là. Allez tout droit. Bah il ralentit pas que dalle. Tournez à droite. Bah, je vais prendre bien large. Oh bah merde. Si je me prends le poteau, ça va bien le faire là. Mais en plus il y a l'autre derrière. Je voulais prendre bien large, mais apparemment j'ai pas réussi.
Puis je suis bien coincé là. Comme ça, et puis je tourne un coup comme ça. Hop, et j'aurais pas frappé le truc. Et là, ça passe, hein. Me dis pas que ça me passe pas parce que ça passe. Ouais, 55 tonnes, c'est énorme pour un seul camion. Est maintenant terminé. Je vais essayer quand même de garer le camion. Si j'y arrive, bah si j'y arrive pas, bah j'appuie sur entrée tout simplement. Parce que là, déjà là, on est mal barré. On est mal barré. Si je tourne maintenant, est-ce que ça va passer? C'est passé, nickel. Bon ben, on va laisser la cargaison ici. On va voir combien est-ce qu'on a gagné. On a gagné 2 succès. Big Brother, succès déverrouillé. Bon, on aurait gagné quand même 25 000. On a fait des dégâts, on a fait une pénalité de retard. Mais bon, qu'est-ce que j'y peux. J'ai mis 20 minutes rien que dans la montée là-bas. Oula, le bruit que le camion il fait est pas très beau. Bon, du coup, je vais garer mon petit camion là. Recule pas. Hop, 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 avant de frapper. Voilà. On le laisse ici. On l'éteint. On passe au moins la vitesse de devant. Voilà. Voilà. Il me semble. Ah non, j'ai pas freiné, ok. What? Ah, là j'ai freiné. Du coup, j'éteins tout, les lumières. Je mets le volant au moins droit. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé celle-ci. J'ai galéré énormément avec le convoi, mais au final il a réussi. Ça aurait été avec un autre camion, je pense qu'on n'aurait jamais réussi. Quoique avec un Volvo avec 750 chevaux, on aurait peut-être réussi aussi. Sachant que Volvo et Scania sont des putains de machines de guerre. Mais après là, ce qui posait problème, c'était masse transmission et qu'une boîte de 6... une boîte de 18 aurait été largement mieux pour du convoi exceptionnel. Et puis bah du là j'ai du 4 6 un châssis de 6 et 4 motrices, alors que si j'aurais eu 6 motrices ou voire 8 motrices, ça aurait été largement mieux. Ça aurait fait un peu plus de force au niveau de l'appui. Et je pense que ça aurait pas eu plus de puissance, mais au moins il y aurait eu plus de roues à entraîner le camion. Chose qu'il aurait peut-être mieux avancé. Mais la transmission de 18 voire 12 vitesses m'aurait mieux permis de d'aller un petit peu plus vite. Et d'avoir un petit peu plus de puissance au niveau de la boîte. Voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine et j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si jamais vous avez les commentaires, écrivez dans les commentaires, dites-moi votre avis.
Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Voilà, à la prochaine.